Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. Lundi 19 décembre 2022, deux natifs natal haïtiens mouri ak plize lot blessé dans un accident machine, yon collision entre yon bus qui te gen passager ak yon camion qui t'a porté cochon sou grand route Sanchez la en zone Azoa ak Bani nan pays République Dominicain. Lundi 19 décembre 2022, bandi a exam assassiné en Babal nan Delma 31, policier national Wools Gauvin qui te kon nan travail nan direction administration prison yo nan pays d'Haïti. Même Jean ak plize association média ak journaliste nan pays d'Haïti yo, société interaméricaine la presse leve la voix contre assassinat bandi a exam fait sous journaliste Radio Solidarité a Franklin Tamar dimanche 18 décembre 2022 nan Le chapitre la justice, Berthe Dorsey ak Litz Kittel, deux anciens ministres de facto dans la justice ak intérieur, tombé tout sous sanction gouvernement pays Canada pour corruption ak lot mauvais ak, même Jean ak 8 lot chabrak politique ak trois gros businessmen nan pays d'Haïti. Pays Canada dit li kwè ancien ministre justice la ak ancien ministre intérieur pays d'Haïti a utilisé statut yo comme membre élite pays a pour yo protéger et puis permettre activité illégale gang exam. Tant kou blanchi l'argent sale ak lot zak corruption. Après ou fin tombe en bas sanction sa yo, Berthe Dorsey ak Litz Kittel genyen interdiction pou yo entrer sous sol canadien, mais tout pays Canada annonce li gele tout sa yo genyen comme bien nan pays Canada. Gouvernement pays Canada a mandé tout membre communauté internationale la pren même disposition tant kou sa li décide yo, yon façon pour continuer mettre pression sous tout si la ki nan corruption ak sou milice criminel yo nan pays d'Haïti. Sous bon pali, ambassadeur canadien nan pays d'Haïti, Sébastien Carrière, nan yon publication li fait sou compte Twitter li, kote li partage communiqué ki annonce sanction sa yo, écrit impunité a pa yon option. Douvan représentant plusieurs ambassades étrangères nan pays d'Haïti, occasion V pour finissement l'année 2022, premier ministre de facto a dit li souhaite joindre solidarité pays qui dit yo ses amis pays d'Haïti yo pour aider le rétablir sécurité qui t'a permettre élection faite dans l'année 2023 qu'a venir. En côté externe dans déclaration premier ministre de facto Dr Ariel Henry. En dépit des difficultés qui peuvent paraître insurmontables, nous devons continuer à nous unir pour sortir Haïti de cette crise interminable. C'est pour cela qu'avec le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, nous avons pu conjuguer tous nos efforts pour éviter le pire voulu ou souhaité par certains. Au prix de lourds sacrifices, nous avons mobilisé des fonds pour doter la police nationale d'équipements indispensables pour effectuer sa difficile mission, même si des difficultés de livraison des immatériels ont limité considérablement sa capacité d'intervention. Nous avons sollicité l'assistance d'une force spécialisée pour accompagner la PNH en vue de rétablir l'ordre sur l'ensemble du territoire et de faire régner la loi. Je saisis l'occasion pour remercier le secrétaire général des Nations Unies pour avoir relayé notre demande auprès des membres du Conseil de sécurité. Nous espérons que dans un avenir proche, cette force multinationale d'appui à la PNH pourrait être à pied d'œuvre. Nous apprécions le support de la communauté internationale qui a démontré son engagement à nos côtés dans la recherche d'une solution durable à la crise, en prenant l'initiative de sanctionner ceux qui soutiennent les gangs armés et alimentent les trafics illicites de toutes sortes. Nous l'en remercions. Nous avons besoin de la solidarité agissante des pays amis pour rétablir cet environnement sécuritaire indispensable si nous voulons permettre aux acteurs politiques et de la société civile de faire campagne en toute liberté, sans avoir à craindre pour leur vie et celle de leurs militants. J'insiste sur ce point parce que nous avons la volonté et la ferme détermination de faire de l'année 2023 l'année des élections qui nous permettront de remettre sur pied nos institutions démocratiques et de rendre la direction des affaires du pays à des élus librement choisis par le peuple haïtien dans le cadre d'élections transparentes et inclusives.
C'était un extrait dans déclaration Premier ministre de facto à Dr. Ariel Henry. Dans le chapitre insécurité sous route, lundi 19 décembre 2022, deux natifs natal haïtiens mourir avec plusieurs autres blessés dans un accident machine, une collision entre un bus qui était gain passager avec un camion qui t'a porté cochon sous grand route Sanchez là entre zone Azoa avec Bani dans pays République dominicaine. D'après plusieurs médias dominicains, accident sa fête dans moment yon camion tal fait collision bap pou bap ak yon bis transport public qui t'a prend direction Elias Pina. Après collision sa, bis la te prend di fe, des natifs natal haïtien yo mouri boulé alors que l'autre victime yo te boulé dans divers degrés. Dans chapitre insécurité, lundi 19 décembre 2022, bandi à examen assassiné en Babal dans Delma 31, policier national Wouls Gauvin qui était contre travail dans direction administration prison yo dans pays d'Haïti. D'après une responsable assassinat yo qui t'a parlé avec la presse, victime était en détachement avec chef personnel dans direction administration pénitentiaire. L'assassinat ya sous policier Gauvin Wouls lan fait gain 53 policiers qui mouri en Babal. Sorti janvier rivé 19 décembre 2022 a, d'après chiffre syndicat national policier haïtien yo communiqué. Même Jacques Pizé association média et journaliste dans pays d'Haïti yo, société interaméricaine la presse levé la voix contre assassinat bandi exam fait sous journaliste radio solidarité a Franklin Tamar dimanche 18 décembre 2022 à Port-au-Prince. Dans un communiqué li publié sur site internet li nan date 20 décembre 2022, société interaméricaine la presse rappelé Franklin Tamar vini 9e journaliste qui mouri assassiné dans pays an. Li mande gouvernement de facto a pour li garanti liberté la parole ak exercice liberté sans qu'elle saute profession journaliste là dans pays an. Pi loin, société interaméricaine la presse SIP mande organisation la presse qui nan Amérique là pour yo exprimer solidarité yo ak soutien yo bay journaliste ak média yo qui continue à faire mission yo nan faire reportage malgré circonstances l'enfer yo prend gros risque. Organisation Gardien Droit Moun a souhaité une commission enquête qui t'a rassemblé tout chef parquet 18 tribunaux civils dans pays a t'avine faire lumière et puis traîner la justice pour punition si au cas ça nécessaire tout monde qui tombé en bas sanction gouvernement pays Canada ak États-Unis yo. Maître Robertson Apollon qui c'est coordonnateur GDH a porté plus explication pour nous écouter. Comment ka privé que comment quand au plus haut sommet de la société ensemble de monde soi-disant de prend comme des saints. Vous avez ces démons qui détruisent l'avenir, qui crassent la société dans mauvaise gouvernance, dans corruption, dans vol, dans l'économie criminelle. Donc, en clair, nous estimons que, véritablement, par la pas durer comme ça, il doit aller plus profond toujours. Plus profond dans le sens que tout le monde qui est accusé dans la finance gang, dans l'économie criminelle, il doit poursuivre. C'est, il revient maintenant au système judiciaire. Pour montrer ce qui a monté en commission d'enquête, je vais exiger dans le GDH pour une commission d'enquête qui monte avec les parquetiers, avec les CPJ là-dedans et avec ULCC, UCREF, une commission d'enquête qui vont monter sous pied pour que véritablement yo aller dans l'échange, dans le rapport, dans l'échange avec ces décisions qui accusent Mounzaïo, pour yo gagner des données, des matières, des évidences pour poursuivre M. Sayo et puis juger comme ça doit. Pour condamner yo et tout ton yo faire société c'est comme yo prend pour yo prendre comme ça pour servir pays a si gen l'autre bagarre qui fait encore pour le faire parce que li inconcevable pour pays a venir à niveau ça et c'est moun que soit disant que nous té connaît qui cap aider pays a qui mettait dans ça mais encore le grand pour nous dit que international là pas innocent parce que ça nous pas comprendre que le chargé d'affaires américain dit que yo prend ça sur ça pas pour punir mais pour inciter au changement nous pas comprendre ni tout. Encore, l'ambassade américaine n'est pas claire dans sa tient. Le Canada n'est pas clair dans sa tient. Je pense que maintenant, il revient aux citoyens haïtiens parce que nous disons que le devoir de vigilance citoyenne est imposé à nous-mêmes pour nous suspendre voter n'importe monde, pour nous suspendre quitter n'importe monde au qui ont une série de postes, pour véritablement nous gagner une société qui marche bien. Je dis à lui important pour nous suspendre accepter n'importe monde la fait monopole, mais pour nous gagner des lois qui fait sur le monopole, des lois qui fait sur le commerce. Pour que les citoyens, un simple citoyen qui a choisi à faire commerce les marchandises divines dans le port là, dans le port de Port-au-Prince, dans le port du Cap-Haïtien, pour ne pas répondre au douanier qui a dit, bah, dit ça va rentrer, c'était un tel qui rentre. C'était coordonnateur gardien de Douamoun, Maître Robertson Apollon.
Dans chapitre la presse dimanche 18 décembre 2022, un journaliste Radio Solidarité, Franklin Tamar, mouri en babal bandi exam qui était sous moto qui attaqué dans Port-au-Prince. Ça fait 8e journaliste qui mouri assassiné depuis l'année 2022 a commencé dans pays d'Haïti. Franklin Tamar, qui gagne seulement 38 l'année, il était animé émission qui relait compa compa ak émission samedi kilti sur Radio Solidarité. Même Jean à Radio Solidarité, plusieurs associations médias et journalistes, Association nationale média haïtien yo, Association média indépendant pays d'Haïti yo, Association journaliste haïtien yo exigé bon Jean lumière faite sous quoi assassinat bandi exam fait sous journaliste Franklin Tamarlan. Dans une publication li fait, président ANMH la Jacques Samper dit li présenter sympathie li baye famille journaliste Radio Solidarité à côté li tap travail à toute corporation. Directeur Radio Solidarité a qui c'est tout président Association Média Indépendant Haïti yo ami Georges Venel Remare dit li condamné zak assassinat sa et puis li exige pour la justice faire lumière sous dossier a pour konnen nan ki condition journaliste la perdit la ville de temps yo va faire gifort pour punir coupable yo sans printemps en côté directeur Radio Solidarité a Georges Venel Remare pour plus détails. C'était la fin de journée hein? C'est un monde qui relève et qui dit que est-ce que moi confirmé nouvelle contre l'état mal là. Moi dit qui nouvelle, il dit que yo dit au tirer sur monsieur. Et puis on dit que nous pas le renseigner nous parce que au fond nous pas trop gagner information hein. Effectivement et nous venons apprendre que il y a des individus qui tapent sur la moto et ben qui tirer monsieur et d'accord dit la caille puisque au fond et c'est devant qu'elle a été passée dans la zone de Wicamo. Et puis, il a tiré sur monsieur. Après, nous venons apprendre que ce n'est pas seulement tiré, puisque monsieur mourut. Donc, est-ce que, d'après l'information que vient de nous toujours, bien l'information nous recueille sous place, est-ce que c'est un acte isolé ou bien un acte ciblé? Bon, ça, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas dire rien sur ça. La seule chose que nous-mêmes sommes capables de confirmer, c'est que il mourut vraiment. Monsieur mourut vraiment. Et que yo transporté la morgue. Mais nous va prendre plus, c'est justement et la justice avec la police d'Apton, parce qu'au fond, il y a une enquête qui pour maintenant qu'il y a plus de bruit. Donc, nous attendons à ce que nous connaissions un peu plus sur l'ambo Franklin et que ce n'est pas seulement une enquête qui est ouverte ou qui le sera, mais son enquête qui a pour bruit, qui a fait outre. Et que n'a pas connu exactement la circonstance exactement. Alors Franklin et Tamar li mouri, c'est un journaliste en plus, un journaliste en trop qui mouri dans pays a, nous même dans association média indépendant yo, c'est qui réaction nous par rapport avec Zak et assassinat yo qui a répété et multiplié pendant l'année 2022 bon, à ce journaliste. En réalité, c'est ça me saute dit là, c'est que n'a pas tant que enquête là faite et que la boutique et que tout le monde connaît qui est-ce qui tire sur Franklin Tamar? Est-ce que c'est un accident ou bien est-ce que Franklin Tamar est visé? Donc, au fond, c'est ça que nous voulons connaître. C'était directeur Radio Solidarité à Georges Venel Remaré. Secrétaire général de l'Association Journaliste Haïtien, AJH Jacques Desrosiers, décrit l'année 2022 comme une année qui est sombre pour profession journaliste là dans pays d'Haïti côté environ 8 journalistes perdu la vie. Puis loin, li mandé la justice pour faire travail comme ça doit pour faire la justice triompher dans cadre dossier si là. Nous invitons écouter secrétaire général AJH là Jacques Desrosiers pour plus de détails. Une nouvelle qui choque nous. Une côté nous dit que malheureusement que année a fini j'ai commencé à journaliste côté début année a commencé et le premier jour dans le mois de janvier, il y a des journalistes qui sont assassinés. Et il y a encore le mois de décembre, 18 décembre, il y a un autre journaliste encore qui est assassiné, qui mourit un babal assassin. Donc, malheureusement, que l'année a fini, j'ai fait des commentaires, qui confirmait que l'année 2022, c'est l'année qui est plus noire dans la question de l'histoire de la presse ASM, avec environ 8 journalistes qui sont assassinés, journalistes qui sont kidnappés, journalistes. Il est obligé de quitter le pays après une attaque armée faite sur et du journaliste qui est blessé, tout, en bas balle, soit en bas mauvais comportement de la police. Donc, c'est une année qui, confirmée encore, c'est une année qui est noire dans l'histoire de la presse en Haïti.
yon année qui noire et fait yo pas démentir puisque gagnent plus passé 8 journalistes qui déjà laissé pour yo en bas insécurité généralisée a et qui mouri dans des conditions et jusqu'à présent pour qu'on gagne lumière qui fait sous cas assassinat yo et nan cas Tamar Franklin c'est qui ça nous t'a recommandé avec autorité yo c'est qui ça nous t'a demandé yo après assassinat ça non ça n'a demandé à toujours c'est autorité dégager vous de faire avec impunité hein permettre que l'autorité dégage pour identifier auteur et acte assassinat ça et puis l'autorité dégage pour mettre dans un pays établi dans un pays un climat qui permet que tout le monde ca évolue et libre y compris journalistes capable de circuler pour pas inquiéter pour la vie. C'est le secrétaire général AJH là Jacques Déouzi. Le chapitre de la santé, c'est lundi 19 décembre 2022 à campagne vaccinée moun contre la maladie choléra, tant mais dans le département plateau central à l'ouest, côté nous jeunes zone métropolitaine Port-au-Prince-là. C'est deux départements côté plus moun trappé maladie choléra depuis réparette commencement mois octobre 2022 d'après ministère santé publique. Dans la publication li fait, il rappelé première phase ça dans campagne vaccinée moun nan contre maladie choléra a fini dans date 28 décembre k'ap vini pendant li fait qu'on est vaccin ça disponible et puis li invite tout moun à prendre dans centre santé qui pi près la caillou au soir dans poste rassemblement yo. Organisation internationale migration yo di li gen gros kè sauté sous Jean Loué épidémie choléra t'a vle gayé depuis commencement mois octobre 2022 nan moment climat la terre problème sécurité red maria qui paralysé toute activité yo nan pays d'Haïti. Dans publication li fait sur compte Twitter li lundi 19 décembre 2022 ak lien yon rapport li te sorti nan mois octobre passé sous quantité moun ki déplacé nan pays a branche Caraïbe OIM nan fait konnen maladie choléra représente yon menace qui particulièrement grave pour plus passer 155 000 haïtiens qui déplacé en dan pays an, majorité nan yo déplacé pour yo sauver pour yo en bas violence gang exam yo. Dans chapitre insécurité jeudi 15 décembre 2022 la police nationale a dit li rive la gué yon ti moun 6 l'année Davinsley Pierre Charles bandi exam te kidnappé nan Kafoufeuille Port-au-Prince depuis date vendredi 25 novembre 2022 a. PNH l'a rappelé, il était déjà arrêté Charlie François avec Jefferson Jolicoeur qui c'est grand frère mineur dans date 7 décembre passé à parce que il était suspect yo dans kidnapping ça, il était transféré yo dans DCPJ dans date 13 décembre nan pour kounya yo dans garde à vue attend dossier yo transféré devant la justice. Vendredi 16 décembre 2022, la direction centrale la police qui travaille pour la justice là, yo plus qu'on est sous nom de CPJ, arrêté Jean-Nixon Abraham, li suspect qui t'a fait cas de Jacques dans date 26 février 2022 à sous une jeune fille dans zone Lila Voie 55, pas trop loin, Bouk Kwade Boukea. Dans une publication li fait dimanche 18 décembre 2022 PNH la fait connait après ça Jean-Nixon Abraham te gagné un mandat rale mené vini contre lui depuis la date 4 avril 2022. Dans chapitre migration lundi 19 décembre 2022 corps dominicain spécialisé dans sécurité frontière sous route ses front dit li arrêté 4 natifs natal haïtiens qui t'a traversé frontière d'Abonwa nan metlan avec 3 âmes la loi pa bay au droit pour ça pour entrer dans pays d'Haïti. D'après information ses front a partagé puis plusieurs médias dominicains relayés, natif natal haïtien Sayo, c'est Jason Prosper, Jodeline Darlistin, Yvnes Prosper à Kader Kesnel. Autorité dominicaine yo rive saisi tout 12500 pesos ak 11250 goud nan men yo ak 11 téléphones portables nan men suspect yo. Collectif Doubout pour Haïti k'ap veye sou sa Canada a fait nan pays d'Haïti dénoncer mauvaise pratique qui t'a vle pour dépenser nan pays Canada ou bien l'autre côté toute aide qui t'a dwe vin jwenn pays d'Haïti yo. Dans chapitre politique, Premier ministre de facto Dr. Ariel Henry dit li renouveler détermination gouvernement lan pour faire l'année 2023 yon année élection. Li invite tout si la yo ki kwè nan valeur démocratique yo pour joindre ensemble un compromis national qui capable permettre de transférer pouvoir bay élu. Premier ministre Ariel Henry fait déclaration ça yo lundi 19 décembre 2022 pendant l'état pour recevoir corps diplomatique à consulaire chef mission diplomatique yo dans occasion fête fin année 2022. On écoute un extrait dans déclaration Premier ministre Dr. Ariel Henry. Nous avons besoin de la solidarité agissante des pays amis pour établir pour rétablir cet environnement sécuritaire indispensable si nous voulons permettre aux acteurs politiques et de la société civile de faire campagne en toute liberté, sans avoir à craindre pour leur vie et celle de leurs militants. J'insiste sur ce point parce que nous avons la volonté et la ferme détermination
de faire de l'année 2023 l'année des élections qui nous permettront de remettre sur pied nos institutions démocratiques et de rendre la direction des affaires du pays à des élus librement choisis par le peuple haïtien dans le cadre d'élections transparentes et inclusives. C'était un extrait dans la déclaration Premier ministre Dr. Ariel Henry. Actualité internationale avec collaboratrice non Marie Farah Fortuné. Infirmiers britanniques qui ont mené mardi 20 décembre la deuxième journée en grève nationale sans pareil pour joindre plus bon salaire et puis menacé pour faire mouvement direct face à un gouvernement qui pas bougé malgré en pleine crise sociale là. Après une première journée grève qui était populaire en plein jeudi passé, ça qui s'est primé depuis 106 l'année, infirmiers ont poursuivi mouvement pour essayer de joindre une augmentation substantielle après quelques années côté abserré Saint-Yo dans un système public santé, yo pas financé vraiment. Dans un Royaume-Uni qui a fait face à une inflation à plus passé 10%, yo vini symbole yon population qui a souffri crise kou la vie côté au pas senti gouvernement soutenir assez. L'autre information, ancien premier ministre tunisien met au dirigeant Ennahda Ali Larayed, jeune arrestation nan a fait voyager à des tunisiens dans zone guerre Syrie met au Irak d'après sa partie inspiration islamique là annoncé mardi côté demandé pour libérer le bien vite. Ali Larayed, ancien ministre intérieur mais tout chef gouvernement en 2011 à commencement 2014, te tendé là pendant plusieurs aides dans la police judiciaire contre terroriste avant de mettre en prison d'après un communiqué parti. Et puis pays Bimani, dernière plaidoirie dans procès Aung San Suu Kyi en a fait la semaine qui vient là. C'est ça yon source juridique fait AFP qu'on est mardi, yon dernière étape avant point final 18 mois audience mais tout gros condamnation. Ancien dirigeant là en prison depuis la mi-été renversé gouvernement là février 2021 ça qui t'ai metté fin à petit coup de période démocratique dans pays Asie sud-est ça. J'ai tenté condamné pour passer entre 26 l'année dans prison peut-être 14 chefs accusation sorti dans corruption rivé dans possession illégale talki walki passé dans pas respecter mesures sanitaires qui gain rapport à COVID-19. Pays dans monde là adopté lundi un accord historique Montréal ça qui est indispensable pour l'humanité. Après 4 années de négociations difficiles, 10 jours, mais tout une nuit marathon diplomatique, plus passé 190 États joignent accord sous égide pays Chine, qui se président COP 15 là, malgré une opposition République démocratique Congo. Pak pou la paix ak natiyan yo rele accord Kunming Montréal vise protéger terre yo, océan yo ak espèce pollution yo, mais tout dégradation et puis crise climatique là. Pays ont été d'accord sur une feuille route qui visait si tout protéger 30% planète l'an d'ici 2030 et puis débloquer $30 milliards aide chaque année pour pays en développement. L'autre information, guérilla ELN qui en négociation pour la paix avec gouvernement colombien Gustavo Petro a annoncé lundi 19 décembre yo font déposer armes pendant période fête fin l'année en Colombie. Trêve là pas entré en place à partir 6h 24 décembre 2022 pour jusqu'à 6h 2 janvier 2023 d'après ça un porte-parole organisation fait connait dans une vidéo qui publié sur réseaux sociaux yo. Et puis ANC parti historique qui sous pouvoir Afrique du Sud reconduit président Cyril Ramaphosa dans tête paysan ça qui ouvre chemin pour un autre mandat chef l'état d'après sa Congrès national africain annoncé lundi 19 décembre. Ramaphosa 70 l'année sorti vainqueur avec un gros avance délégué parti qui réunit dans Congrès Johannesburg en Bali 2476 voix contre 1897 pour unique concurrent mettre ancien ministre santé Zuelim Kizé d'après sa AFP rapport. Comment il est? Brian. Brian, c'est quoi? Il a 8 ans. Il était qu'à devenir un grand footballeur et participer dans une compétition internationale pour représenter le pays. Mais hélas, toi, M. Sayo, qui c'est Lounès Dorival, Dinaldo Augustin, et Ronan Régis alias Black, mettez ensemble pour Rachel Kaiparan, kidnapper et puis tout. Histoire a commencé avec Maman Brown, qui rencontrait Lounès Dorival, qui a 19 ans, dans la localité Doré, dans Cavaillon. Et c'est là maman t'a pral accepté by monsieur la descente la Kali nan meye zone quoi des bouquets malgré li pa konnèl malgré li pa famille. C'est vrai dans mon cas dame là présenté mon partenaire le Dinaldo comme zami mais Dinaldo a écouté la Kali qui séparé avec la Kala nan meye et puis dame là gros petit garçon pendant ma couche sur moi comme ça Dinaldo vini Dinaldo dim
pour kidnapper Timon. Moi, je ne vais pas dire que je suis d'accord pour nous faire kidnapper Timon. Je ne vais pas dire que je suis d'accord. Je suis arrivé d'accord. Pendant que je suis arrivé d'accord, je suis avec Black, qui est le monde qui a pris des Timon. Pendant que je suis arrivé Black, Black vient à la machine, en camionnette. Il y a un camionnette tête verte, il y a un bâtiment dans la canyon Samavel. Dans la canyon Samavel, il y a des messieurs qui sont venus. Il dit que je suis venu, il dit que je ne suis pas beaucoup moins. Je suis venu faire ça, je suis venu à mourir. Pourtant, il ne pas prendre trop de temps dans la Kaila avant de commettre ça. 2 mois. Oui. Avant 2 mois, oui. Donc, tu es venu à Black? Et pas Black, nom des amis a dit non, mais Black toujours vient passer la calade par la Baba Timon. Là, les Baba Timon. Monsieur kidnappé Timon samedi 29 octobre et déjà dans dimanche 30 octobre, il était gantan touil. Dinaldo Augustin dit c'est pas vrai, il pas de jambe dans convaincre l'honnête Dorival pour livrer Timon. Ça ne le samedi a menti parce que on pas qu'on habite entre la caillou. Si entre la caillou c'est madame dans capole Dinaldo, vienne pour te manger. Monsieur on a de la parole là. Monsieur va rentrer dans la facile, mais nous toujours chita dans la cour, à parler, parfois nous avons vu sur téléphone. Nous avons chita sur deux cas là, on a parlé. Parfois nous avons chita sur le sable à la parler, si nous venons faire déplacer. Nous avons fait déplacer. Après parents, fin bail $50,000 haïtiens comme rançon pour te joindre libération Timounan, Renan Régis alias Black t'es accompagné papa Timounan, Kayon Ougan. Papa t'a cherché pour diable comprendre ce qui passé. Pourtant, il pas t'a jamais imaginé Black qui ses amis famille t'a derrière ça qui passé. Wow, chef, pas de Timounan même pas pour faire kidnapping. Tout faut tout faire ou bien non tout. Moi même. Regardez, où est-ce que je suis là, chef? Vous pas vu ça, chef? C'est là qui est là. Ok, ok. Vous dites que je parle pas beaucoup. Moi, donc, c'est mon nom. Les gens qui sont là, ils disent parce que Dieu, parce que waouh! On a combien de corps qui étaient portés par Ougan? Je ne sais pas. Il dépense plus. Après, tout comme ça, soldat, on prend un mail. $50,000 pour faire kidnapping. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Combien comme ok. Monsieur, où est DCBJ? Où est-ce que tu es? Elle a son question pour vous répondre. C'est moi. Qui est-ce que tu as passé? Vous prenez qui est-ce que tu es bailli? Black, qui te prend? Black qui Black? Oui, non, juste. Ah, ouais, même non, n'est pas de compte. Parle de lui là. Non, pas de compte, non, mais oui. DCBJ, ou a fait trace. Si monsieur là, il dit, mais au lit, il a fait tout le bagage, attendez. Ah, bien, ok. Si monsieur là, même, attendez. Il a cassé le lit. Ah, bien, ok. Bertha Maslin, qui c'est madame Black, qui est enceinte, mais qui est en prison, pour implication présumée dans le dossier, dit qu'il n'est pas au courant. Cependant, il a expliqué par les parents Brown, qu'il est dans un rêve, si mon nom mourit après le kidnapping. Je ne peux pas manger. De toute façon, ça, on a besoin d'un même. D'ailleurs, on va poser l'autre question. Parce qu'il va opter à l'autre monde. D'ailleurs, on va trouver les petits monde. On va faire ceci, c'est l'autre bon. Sauf dans ça, on est en rêve où tu fais. Imagine, est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est une nouvelle là où tu as besoin de côté de mettre petit là? Pour faire connaître si mon nom, oui. Est-ce que Marou, tu es en communiqué des dossiers pour le dire mon nom, ou même qui passe par où pour faire rêve? Pour pousser, mettre Timon dans le coin, il va vous chercher de midi à 14h, Timon dans le coin. Je vais te répondre. Chef, là, je fais un rêve.
Depuis que je fais rêve, je vais venir matin m'expliquer mon rêve. Je mets l'église à mal et m'expliquer. Tout le monde dans la mi dame là, depuis que je dors, je fais rêve, m'expliquer. Depuis que je fais rêve, toujours expliquer. Black pad, non, non, black pad, non. Faites-le tout éclair. Attendez, black pad. Est-ce que black pad, non, black pad, rien, parce que je n'ai pas un monde qui est déréglé. Dossier ça, c'est une preuve en plus qui montre la police pas dormi sous diverses enquêtes l'a mené pour arrêter tout le monde qui est impliqué dans mauvais actes. Tant coup, assassinat et kidnapping. Mais tout, il doit interpeller chaque famille. Sous monde qui a fréquenté la caillou à petit yo. Oui. Comment sentez-vous le bien de ce monde? Je ne sens pas bien. Mais vous connaissez votre fête ce monde? Oui, mon fête. Je suis conscient ce monde. On m'a cherché à chercher la vie. Ou toi pour vous-même, madame, non? Ou pas petite dame, non? Non, pas petite. Je ne sais pas. Mais je veux dire, vous faites le bien de visiter.